Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoro, Jesús. Interesante la, c'est très intéressant, la figura de Cornelio. La figure de Corneille. Porque Cornelio, parce que Corneille abre una puerta, il ouvre une abre porte, un portal, il ouvre un portail, en el cual va a sumergir a Pedro. Dans lequel il va immerger Pierre. Y Pedro tiene miedo de ese portal. Et Pierre, il a peur. Y Dios tiene que venir con el lienzo. Et Dieu doit venir. Porque va a introducir a su pueblo a algo que jamás sospechó que pudiera suceder. J'ai pas tout compris. Il va introduire quelque chose qu'il a jamais imaginé. Il va introduire son peuple voilà. À quelque chose voilà. Amen. Que son peuple n'a jamais pensé ouais. Que pourrait être possible. Ouais. Amen. Merci. Y esto hace un cambio de tiempos. Et cela produit un changement de temps. Esto produce un cambio que va a cambiar la humanidad. Cela a produit un changement qui va changer l'humanité. Es el momento más importante que le para moment la Tierra. Le plus important pour la Terre. Es el momento en que el Cristo c'est le moment où Christ va a entrar de salir de los confines de Israel. Va sortir des confins d'Israël para abrirse al mundo entero. Pour s'ouvrir au monde entier. Pedro no entiende. Pierre comprend. No sabe. Il ne comprend pas. Il ne sait pas. ¿Cómo se va a mover en ese en esa nueva dimensión? Il ne sait pas comment bouger dans cette nouvelle dimension. Cornelio tampoco lo sabe. Corneille ne sait pas non plus. Es un encuentro de dos idiosincrasias. C'est une rencontre de deux personnes qui ne savent pas. De deux quoi? Qui ne savent pas. No saben. No, no. No, no fue. No entendí la palabra. Il y a une communion entre deux façons différentes de penser. Okay. La pensée juive et la pensée des gentils. Des gentils, oui. Merci. Ah, okay. Dos mentalidades opuestas. Deux mentalités opposées. Que se encuentran en un umbral. Rendez-vous dans une porte éternelle okay. Que se encuentran en un umbral para un cambio sobre toda la tierra. Pour un changement sur toute la terre. Je suis très content d'avoir mes merci. Amis français merci. Parmi nous. Estoy muy contenta de tener nuestros amigos franceses en medio de nosotros. Amen. J'ai beaucoup de lacunes en espagnol, pour ça je trouve pas tous les mots. Y a lo mejor a usted no le parece muy profético esto. Amén. Pero Dios, Dieu no siempre habla. Ne parle pas toujours. Pero siempre se comunica. Mais il se communique toujours. Muchas personas están escuchando, están esperando oír. Así dice Jehová. Beaucoup de personnes sont en train d'entendre et espérant dire entendre. Ainsi dit Jéhovah. Pero Dios está comunicando continuamente, te estás perdiendo la comunicación de Dios todo el tiempo. Dieu, il est en train de communiquer avec toi à chaque instant, mais toi tu perds la communication avec Dieu tout le temps.
Porque dejas de percibir la comunicación que existe en cada instante en que Dios está comunicando de tantas maneras. Tu cesses de percevoir la manière dont Dieu veut communiquer avec toi. Il y a beaucoup de choses différentes dont Dieu veut communiquer avec toi dans beaucoup d'onctions, beaucoup de formes différentes. Y el año pasado, l'année dernière, Francia, la France sorprendió al mundo. A surpris le monde. En el campeonato de fútbol. Dans le championnat de football. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver el fútbol con Dios? Et vous allez dire qu'à voir le football avec Dieu? Posiblemente nada. Possiblement rien. Pero Dios se comunica. Mais Dieu communique. Y si tienes oídos para oír. Et si tu as des oreilles pour entendre. Dios estaba posicionando a Francia. Dieu était en train de positionner la France. En un lugar que sorprendería al mundo. Dans un lieu qui allait surprendre le monde. Cuando Alemania ganó el campeonato mundial de fútbol. Quand le frère a gagné le championnat mondial du football. L'Allemagne. En el campeonato anterior. Le championnat avant. Los alemanes no se atrevían a salir a la calle a decir viva Alemania. Les Allemands ne osaient pas sortir dans la rue pour dire vive l'Allemagne. El estigma de Hitler era tan fuerte sobre Alemania. L'estigma de Hitler était si fort sur l'Allemagne. Que las generaciones que siguieron, que les générations qu'on suivit, estaban tan atadas, elles étaient plus attachées, y el mundo los veía todos como nazis. Le monde les voyait tous comme des nazis. Que decir soy alemán era muy complejo para ellos. D'aller dire je suis allemand, c'était un complexe pour eux. Pero Dios usó el campeonato mundial, mais Dieu a utilisé le championnat mondial, para romper una estructura de terror nacional, pour briser une structure de vraiment d'une peur nationale, y por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, et pour première fois après la Seconde Guerre mondiale, los alemanes salieron, les Allemands sont sortis, orgullosos de ser alemanes, a decir viva Alemania, pour dire vive l'Allemagne. Y por la boca, et par leur bouche, sale la vida y sale la muerte. Par la bouche sort la vie et sort la mort. Y por años habían tenido un estigma de muerte. Et pendant des années, ils ont eu un stigmate de mort. Pero miles, mais des milliers, miles de alemanes diciendo viva Alemania, mais des milliers d'Allemands disant vive l'Allemagne, abrieron una puerta, ont ouvert une porte, para que cosas ocurriesen en esa nación, pour que des choses se produisent dans cette nation. Y es lo mismo que le está sucediendo a Francia. Et la même chose est en train de se produire en France. Nadie se esperaba que Francia ganara el campeonato. Personne ne s'attendait à ce que France gagne le championnat. Nadie se esperaba cómo entraron todos los franceses unidos. Personne ne s'attendait comme de voir les Français unis. Francia ha sido un país de divisiones. La France est un pays de division. Un país donde se están unos contra otros. Un pays où tout le monde est les uns contre les autres. Un país donde Dios necesitaba hacer algo. Un pays où Dieu avait besoin de faire quelque chose. Porque las tinieblas han estado cubriendo Francia. Parce que les ténèbres avaient été en train d'endormir la France. Y algo se partió. Et quelque chose s'est brisé. A través de ese campeonato mundial. Au travers de ce championnat mondial. Vuelvo a decir, ¿tiene el fútbol algo que ver con Dios? No. Je reviens à dire, est-ce que le football a quelque chose à voir avec Dieu? Non. Pero Dios puede usar lo que sea. Mais Dieu peut utiliser les choses qu'elle peut. Pero Dios puede usar lo que sea. Dieu peut utiliser les choses qu'elle peut. Dios puede usar un burro. Dieu peut utiliser un âne. Dios puede usar a Faraón. Dieu peut utiliser Pharaon. Que los mismos egipcios. Los mismos egipcios derrotados. Même les Égyptiens qui sont finis. Le dijeron a Faraón. On dit au Pharaon. No te das cuenta. Tu te rends pas compte que Egipto está destruido. Que Egipto est détruite. No te das cuenta. Tu te rends pas compte que el Dios de los israelitas es mayor que nuestros dioses. Que le Dieu des Israélites est plus grand que vos dieux. ¿Quién estaba profetizando? Et il était en train de prophétiser. Estaban profetizando los egipcios. Il était en train de prophétiser aux Égyptiens. Dios puede profetizar por una burra. Dios puede, Dios puede profetizar para un âne. O por un egipcio. Dieu peut prophétiser pour un égyptien. O por un campeonato de fútbol. Ou pour un championnat de football. Por una estrella que cae del cielo. Ou pour une étoile qui tombe du ciel. Por cosas que nos están rodeando y están sucediendo todo el tiempo. Pour des choses qui nous entourent et qui sont tout le temps autour de nous. Cornelio viene a abrir. Corneille vient ouvrir. Viene a posicionar un umbral de cambio. Il vient positionner un umbral. Un umbral, une porte. Une porte céleste. De changement. Une porte céleste. De changement. De changement. Alléluia. Une lumière. Pourquoi est-ce que je parle français? C'est bien prophète. Pourquoi est-ce que je parle français? Pourquoi hablo francés?
Porque sirvo un Dios de milagros. Amén. Porque creo en el reino hoy. Porque creo que Dios nos puede dar todas las cosas. Porque yo creo en el royaume aujourd'hui. Porque yo creo que l'Éternel puede nous donner todas las cosas. Amén. Y un jour, je me suis mis dans une plateforme. Y j'ai cru que Dieu pourrait parler le français à travers de moi. Je n'ai creí que Dios podía hablar francés a través de mí. Y me dio la lengua en la plataforma. Y me donné la langue de la plateforme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Un Dieu tout puissant. Servimos Amen. Un Dios todo poderoso. Amen. Corduras. Qui brise les structures. Para que pensemos de forma diferente. Pour que nous pensions d'une forme différente. Pedro tuvo que romper estructuras. Pierre a dû briser des structures. Para llegar a dimensiones. Pour arriver à des dimensions. Que no hubiera podido llegar. Il n'aurait pas pu arriver. Si no atravesaba por la puerta de Cornelio. Si traversait pas par la porte de Corneille. Hay gente que son puerta. Il y a des gens qui sont des portes. Hay gente que son puerta. Il y a des gens qui sont des portes. Hay gente que son puerta. Il y a des gens qui sont des portes. Hay gente que son puerta. Il y a des gens qui sont des portes. Erguíos vuestras cabezas, oh puertas eternas. Levez vos têtes, vos portes éternelles. Amén. Pero no todos son puertas eternas, no se equivoque. C'est pas tous qui sont des portes éternelles, ne vous trompez pas. Son puertas. Ce sont des portes. Cuando eres el instrumento. Lorsque tu es l'instrument. Para que algo que viene del cielo. Pour les choses qui viennent du ciel. Sucede en la tierra. Elle se produit sur la terre. Entonces te volviste puerta eterna. Alors tu es devenu une porte éternelle. Entonces dejaste de ser un simple cristianito. Alors tu as cessé d'être un simple petit chrétien. Para volverte una puerta. Pour devenir une porte. Para que entre el Dios de la gloria. Pour le roi de gloire. Amen. Y entre. C'est très fort. Amen. C'est très fort. 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 Jaime. Alléluia. Eres una puerta. Eres una puerta. Jaime, tu es una puerta. Eres una puerta. Tu es una puerta. Pero tienes que ver la dimensión que sigue. Tienes que ver lo que está del otro lado. Pedro tuvo que ver lo que estaba del otro lado. Tenía que salir de su estado de confort. Pierre devait sortir de son état de confort pour déviser ce qu'il y a au-delà, tu dois voir au-delà de la porte. Rio coulait à travers de toi, pas avec des messages qui sont toujours les mêmes pendant 10 ans, pendant 20 ans, et les gens sont épuisés. Amen. La gente ya está cansada de seguir oyendo lo mismo y no pasó nada. Necesitamos gente de dimensión. Necesitamos gente que sea fuerte. Amen, amen. Santo. Santo. San. Santo. San. Santo. San. Santo. San. Sacúdete. Sacude-toi. Sacude-te del conformismo religioso. De toute la religion. Santo, dale la gloria. Hay un umbral, hay una puerta. Il y a un porte. Il y a une porte. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Hay una puerta que se está abriendo. Se está abriendo. Se está abriendo. Para que entre el rey de la gloria. Y une porte qui s'ouvre. Profetas. Profetas. Establecidos en lugares celestiales. Des prophètes établis dans des lieux célestes. Pour amener les dieux, les choses célestes à la terre. Profetas establecidos en lugares celestes para traer lo celestial a la tierra. Basta de entretenimiento. Basta de entretenimiento. Dios cambia el entretenimiento por la eficacia. El entretenimiento no ayudó a nadie.
Assez de l'entretien. Assez de l'entretien. Dieu est en train de changer l'entretien par l'efficacité. L'entretien n'a jamais changé personne. El entretenimiento no cambió a nadie. Esta sustancia. L'entretien n'a jamais changé personne. C'est la substance. La substance de l'éternel. La substance de la parole vivante. La substancia de la palabra viva. La palabra viva que activa. La palabra que viene del cielo. Que activa lo celestial en la tierra. Jocoba. Santo. 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 Levántese los profetas verdaderos. Levántese los genuinos. Y aborrezcan lo falso. Y aborrezcan la mentira. Y aborrezcan lo que tiene cara de ser y no es. Que Dios enlève le prophète véritable qui haït ce qui est faux, ce qui est un mensonge, ce qui est l'apparence de quelque chose qui a la semblance, mais qui n'est pas la vérité de Dieu. Le prophète avec de l'intégrité de la parole. Profeta con integridad de palabra. Hablo lo que soy. Hablo lo que soy. Hablo lo que he conocido, lo que he experimentado, lo que mis ojos han visto y es lo que testifico. Je parle ce que j'ai connu, ce que j'ai vu. Ce qui est devenu de la chair à travers mon esprit. Lo que se hizo carne, que lo comí. No lo desprecié, lo comí. Lo mastiqué. Lo sopesé. Como también he sopesado las mentiras de tanta cosa que se profetiza. Mentirosamente. Porque no conocen al Dios de la gloria. Cuando iba a predicar, pero me sacudiste con lo de Cornelio. Porque es importante entender a Cornelio, no como una filosofía, no como un cuento para predicar el domingo. Es importante. De connaître Cornelius. Non pas comme une faible, comme une fable, comme un message pour le dimanche. Mais comprends vraiment le propos éternel quand il a choisi ce moment dans l'histoire. Pour entender el momento glorioso que Dios diseñó para establecer ese portal en la tierra. Ese umbral de cambios. Los entendidos resplandecen como estrellas a perpetuidad. Ceux qui ont la compréhension vont resplandir comme des étoiles pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. France, il y a un championnat céleste que tu vas gagner. Francia, hay un campeonato celestial que Dios ya te entregó. Uki masendo rubacha. Tolo. Los que se atreven a ser puerta. Los que se atreven a ser puerta. Ceux qui osent d'être une porte pour manger des choses que tu n'as jamais mangées auparavant.
para comer cosas que nunca antes te habías atrevido a comer. Porque hay un manto que está bajando del cielo. Pues qu'il y a un manto qui descend du ciel. Avec une bouffe. Avec une bouffe que tu n'as jamais mangée. Qui vient directement de leur cœur, du cœur de Dieu. Hay un manto que desciende del cielo. Con comida que nunca has comido. Con comida que nunca te has atrevido a comer. Porque te dijeron que tuvieras miedo de ella. Pero Dios tiene comida que está trayendo en ese manto. Para que cruces el umbral a nuevas dimensiones. Porque tú traves ese buff. Es porque tú traves a un endroit de nouvelle dimensión. Me siento como Pablo. Todos me han abandonado, hasta la intérprete me abandonó. Yo me siento como Paul. Todos me han abandonado, même la intérprete me abandonó. ¿Qué es que es eso? Aló. Viene aquí. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Il dit que je suis un lion, c'est très fort. Jesus. Amen. Oui, je suis un lion. Parce que ce qui m'habite est le lion de Juda. Amen. Soy león. C'est le lion. Ce qui me habita es el león de Judá. Amen. Y cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y cuando Jehová profetiza, ¿quién no profetizará? Amén. 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 Y cuando el león ruge, ¿quién va a tener de la peur? Y cuando Dios parle, ¿quién es el que va a profetizar? Aleluya. Puertas, puertas. Hay un umbral de cambio. Ya di umbral, porte. Y había una gran porte. El changement. Cambio. El changement. Aprovecho también para. Je profite aussi pour. Dar la bienvenida. Donner la bienvenue. A los portalitas. Les portalites. Las portalitas, les portalites. Les portalites. Les portalites. Vous ne savez pas ce que c'est, un portalite. Un portalite. Un portalite, tu ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais. Non, je sais que tu ne sais pas. Amen. Yo que no sabe qué son los portalitos, pues no, no sabe. No, je ne sais pas c'est quoi. ¿Cuántos portalitas hay aquí? Ah. No, no grita por decir. Si usted es portalita, póngase de pie. Los que son portalitas. Los que saben qué es un portalita. Mire cuántos portalitas tenemos. ¿Qué es un portalita? ¿Qué es un portalite? Hace año y medio. Y hay un año y medio. Más portalitas por allá. Yo no encore parlé de portalita. Es el portal de Perú. Es el portal de Perú. Es el portal de Perú. De Perú. Du Perú. Es el portal de Perú. Là. Là-bas. Hace como año y medio. Il y a une année et demie, Dios me habló. Dieu m'a parlé. Dios me habló que cada 100 años. Dale. Chaque 100 ans, hay un portal que se abre en los cielos. Il y a un portail qui s'ouvre dans les cieux. Y ese portal tiene que ser ocupado. Ce portail doit être occupé. Si ese portal no es ocupado, si ce portail n'est pas occupé, la tierra queda sentenciada. La terre reste dans la sentence. De vivir lo mismo de los 100 años que predecedieron. Ah, wow. De vivir las 100 años que han ya été. Las 100 años pasadas, la sentencia es de revivir encore ces 100 años. Cuando vinieron los 500 años de la reforma de Martín Lutero. Les 500 años de la reforma de Martín Lutero es venu. En el 2017. Dans le 2017. Fuimos a Alemania. Nous avons été en Allemagne.
para impedir que los religiosos pour empêcher que les religieux trataran de vivificar los huesos de Martín Lutero. Vivifier les os de Martín Lutero. Porque la reforma que Dios está trayendo no tiene que ver con Martín Lutero, tiene que ver con el cielo. La reforma que Dios está en train d'apporter n'a rien à voir avec Martín Lutero. Avec Martin Luther. Sino con lo que Dios quiere hacer hoy desde el cielo. Mais avec ce que Dieu veut faire aujourd'hui depuis le ciel. Entonces nos les adelantamos. Donc nous sommes venus en avance. Y vimos este portal por primera vez. Et nous avons vu ce portail pour la première fois. Y el Señor nos dijo, ocúpenlo. Et le Seigneur nous a dit, occupez-le. Y se cerró el portal. Et le portail s'est fermé. Y quedaron aperturas. Et des ouvertures sont restées. Como pequeñas puertas. Comme des toutes petites portes. Y el Señor dijo, estas pequeñas puertas. Afin, je dis, ces petites portes. Son para ser ocupados por mis verdaderos hijos. Sont pour être occupés par mes véritables fils. No todo el mundo puede entrar a este portal. C'est pas tout le monde qui peut rentrer à ce portail. Este es un portal para los que son hijos. Ça, c'est un portail pour ceux qui sont fils. Para los que me conocen. Pour ceux qui me connaissent. Para los que son del espíritu. Pour ceux qui sont de l'esprit. Para los que aman más el cielo que la tierra. Pour ceux qui aiment plus le ciel que la terre. Y entonces Dios me habló. Alors Dieu m'a parlé. Me dijo, hija, m'a dit, fille, ma fille, este portal no solamente tiene 100 años. Ce portail n'a pas seulement 100 ans. Y pude ver lo que habían sucedido en los últimos 100 años. Et j'ai pu voir ce qui s'était produit dans les derniers 100 ans. Dios abrió el portal durante el avivamiento de Azusa. Dieu a ouvert le portail durant l'avivement, le réveil de Azusa. De Azusa Street. Azusa Street. A Los Angeles, California. En California. En California. Pero los hombres se adueñaron del avivamiento. Mais les hommes se rendaient propriétaires de l'avivement, du réveil. Para su propia gloria. Pour leur propre gloire. Y esto hizo que se cerrara el portal. Et cela a fait que le portail s'est fermé. La consecuencia de esto. La conséquence de cela. Trajo la Primera Guerra Mundial. A apporté la Première Guerre mondiale. Trajo la influencia de España. A apporté l'influence d'Espagne. Que mató la tercera parte de la humanidad. Qui a tué la troisième partie de l'humanité. Vino la crisis económica mundial. La crise économique mondiale est venue. La Segunda Guerra Mundial. La Seconde Guerre mondiale est venue. El comunismo. Le communisme. La era del terrorismo. L'ère du terrorisme. De las aberraciones sexuales. Des homosexuels. Estos son los últimos 100 años. Ça, ce sont les derniers 100 ans. Si no ocupamos el portal, si nous occupons pas le portail, estamos condenados a que se repita. Nous sommes condamnés à ce que ça se répète. Y esto pone en nosotros una tremenda responsabilidad. Et ça, à nous autres, ça nous met une forte responsabilité. Porque lo que le vas a heredar a tus hijos, parce que ce que tu vas donner en héritage à tes enfants, no es un manual de Biblia. C'est pas un manuel de la Bible. Con todo lo que tomaste notas. Avec toutes les choses dont toi-même tu as noté. Lo que vamos a heredarle a nuestros hijos, ce qu'on va donner en héritage à nos enfants, es una tierra llena de la justicia de Dios. C'est une terre remplie de la justice de Dieu. O 100 años pour 100 ans de dolor, de douleur. Que tenga oídos, oiga. Ceux qui ont des oreilles entendent. Ceux qui ont des oreilles entendent. Porque puedes tener orejas y no oído. Ah oui, d'accord. Todos tienen orejas. Ceux qui ont des ouïes pour entendre, des ils entendent. Pas des oreilles. Pas des oreilles, parce que on tout a tous des oreilles, mais pas tout le monde entend. C'est pas tout le monde qui entend. Entonces Dios me dijo, donc Dieu m'a dit, este portal no solamente tiene 100 años. Ce portail, no solamente tiene 100 años. Il n'a pas seulement 100 ans. Tiene 800 años. Il a 800 ans. Estoy abriendo un portal que abrí hace 800 años. Je suis en train d'ouvrir un portail qui était ouvert 800 ans en arrière. Ah ouais. 800 años. 800 ans. ¿Y qué pasó hace 800 años? ¿Qué s'est passé il y a 800 ans? Lo que mejor entiendo es que hace 500 fue la reforma. Ce que le mieux que je comprenne c'est qu'il y a 500 ans c'était la réforme. Pero 800 años. Il y a 800 ans. Siglo 13. Le siècle 13. No, 13e siècle. 13e siècle. ¿Qué pasó en el siglo 13? Qu'est-ce qui s'est passé dans le 13e siècle?
Y Dios empieza a abrirme el entendimiento. Et Dieu a commencé à m'ouvrir l'entendement. Para buscar la historia. Pour chercher l'histoire. El depósito del siglo XIII. Le dépôt du siècle du XIIIe siècle. Y Dios levantó un profeta. Et Dieu a levé un prophète. Que sacudió Europa. Qui a secoué l'Europe. Que sacudió el mundo. Qui a secoué le monde. Un profeta que lo tomó la Iglesia Católica. Un prophète que l'Église catholique a pris. Lo hizo santo. Il a fait de lui un saint. Y lo corrompió. Et il l'a corrompu. Corrompió todo lo que hizo. Il a corrompu tout ce que cet homme avait fait. Estoy hablando de San Francisco de Asís. Cet homme, c'était San Francisco de Asís. Y pensamos en San Francisco de Asís como un santo católico. On pense à San Francisco de Asís comme un saint catholique. Pero él no fue escogido para ser santo católico. Mais lui n'avait pas été choisi pour être un saint catholique. En el siglo XIII, dans le XIIIe siècle, el mundo había perdido. Le monde avait perdu. ¿Quién era Jesús? Qui était Jésus? No tenía ni idea quién era Jesús. Il n'avait aucune idée de qui était Jésus. Las misas eran en latín. Les messes étaient en latin. Lo más que veían era un hombre colgado en un crucifijo. Le plus qu'ils voyaient, c'était un homme pendu sur un crucifix. Nadie entendía qué cosa era eso. Personne ne comprenait qu'est-ce que c'était cela. Porque les decían Dominos Bobiscos. Parce qu'on lui disait Dominos Bobiscos. Dominos Bobistus. Y nada más se quedaban biscos. Et ils restaient seulement sur bistus. Porque no entendían ni papa. Parce qu'ils entendaient rien du tout. Que se ríe un poquito. Rien du tout. Y San Francisco fue tocado por Dios. Et San Francisco a été touché par Dieu. Y Dios me lleva a escudriñar los escritos originales de este hombre. Et Dieu m'emmène à étudier les écrits originaux de cet homme. Y cómo él se entrega a Jesucristo. Et comment lui se donne à Jésus-Christ. Hasta la última consecuencia. Jusqu'à la dernière conséquence. Para que Dios use su vida. Pour que Dieu utilise sa vie. Y que Dios pueda ver a través de él. Et que Dieu puisse voir au travers de lui. Como un vaso santo. Comme un vase saint. Lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Ce que Jésus est venu faire à la terre. Fue un profeta que encarnó. Ça a été un prophète qui a incarné. Todo lo que vino Jesús a hacer a la tierra. Tout ce que Jésus est venu faire à la terre. Dejó todas las riquezas. Il a laissé toutes les richesses. Era un hombre muy rico, era un empresario. He was a businessman. Il était un businessman. Il était un businessman. Un homme d'affaires. Un homme d'entreprise. Y dejó todo. Il a tout abandonné. Como el joven rico que no quiso dejar su riqueza. Comme le jeune riche qui n'avait pas voulu laisser les richesses. Él dijo, yo sí dejo toda mi riqueza. Lui, il a dit, oui, moi je veux donner toutes mes richesses. Pero yo quiero vivir el evangelio al pie de la letra. Mais je veux vivre l'évangile au pied de la lettre. Tal fue la santidad de este hombre. Telle a été la sainteté de cet homme. Que el Papa. Que le Pape. Y todo el Vaticano. Et tout le Vatican. Se rindieron. Se sont y se arrodillaron et se sont mis à genoux delante de Francisco, au devant de Francis, por haber devuelto el mensaje de la cruz, pour avoir rendu le message de la croix aux gens. Cuando Francisco dejó todo, quand Francis a tout laissé, estaba solo, il était seul. Nadie quería seguirlo en semejante locura. Personne ne voulait le suivre dans cette méchante folie. Dejó todo, il a tout laissé, para volverse un mendigo, pour devenir un mendiant, voluntariamente. De façon volontaire. Porque hay una diferencia. Parce qu'il y a une différence. Entre la pobreza. Entre la pauvreté. Que viene por la maldición del pecado. Qui vient à cause de la malédiction du péché. Y el despojarnos de nuestros bienes voluntariamente. Et de se dépouiller de nos biens volontairement. Para que Cristo se manifieste en la tierra. Pour que Dieu se manifeste. Y Francisco lo escogió hasta el último extremo. Et Dieu l'a choisi jusqu'à la dernière extrémité de ça. El Papa se le rinde. Le Pape se rend à lui. Y empieza el avivamiento más grande que ha tenido toda Europa. Et commence la réveil le plus grand qu'a eu toute l'Europe. Europa entera empieza a volverse a Jesucristo. L'Europe entière commence à revenir à Jésus-Christ. Los discípulos de Francesco, les disciples de Francis, empiezan a unírsele. Commencent à s'unir. Y cuando él estaba solo, et lorsqu'ils étaient seuls, dijo, Señor, pues estoy solito. Il a dit, Seigneur, je suis seul. Hermáname con toda la tierra. Hermáname. Rends-moi frère de toute la terre. Un frère de toute la création. Amen. Parce que moi et toute la création ensemble, nous pouvons t'adorer comme il faut. Amen. Para que yo con la creación entera podamos adorarte como tú te mereces. Amen. Amen. Por eso ve que es conocido por decirle hermano sol, hermana luna,
Hermana tierra, hermano mar, hermano pajarito. C'est pour ça que il est connu comme dire frère soleil, frère lune. Non, soleil. Soleil. Oreille. Le frère. Frère soleil. Sœur. Lune. Parce que c'est féminin. Si, il est une sœur. Sœur lune. Pardon, je me suis trompée. Frère soleil. Sœur lune. Sœur mère. Frère oiseau. La puedes decir en español para que entiendan los latinos también. Pajarito. Ok. Vente, ahora es para mí sola, por eso. Era tan intensa la comunión de Francesco. Su nombre era Francesco. Là a commencé la comunión de Francis. Su nombre era Francesco. Francesco. Ah, son nom est Francesco. Su nombre verdadero era Juan. Ah, son nom véritable c'était Jean. Pero su papá lo apodó Francesco. Mais son papa l'a appelé Francesco. Porque tenía una gran debilidad por Francia. Parce qu'il avait une grande faiblesse pour la France. Y como los franceses eran acá muy acá. Como les français étaient oulala. Oulala. Entonces su papá lo llamó Francesco. Alors son papa l'a appelé Francesco. Y era tal su santidad. Elle était tant, si forte sa sainteté. Cuando él empezaba a adorar a Dios. Que quand il commençait à adorer Dieu. La tierra entera despertaba a adorar con él. La terre entière se réveillait pour prier avec lui. Y había momentos que cuentan sus biógrafos más auténticos. Il y avait des moments où ses biographiques les plus authentiques racontent. Que mientras él adoraba. Que pendant que lui adorait. Se levantaba con los pájaros. Les oiseaux se levaient. Y volaba con los pájaros adorando a Dios. Et il volait avec les oiseaux en adorant Dieu. No tenían dinero para llevar el evangelio. Ils n'avaient pas d'argent pour amener l'évangile. A veces pensamos que necesitamos mucho dinero. Des fois on pense qu'on a besoin de beaucoup d'argent. No, necesitas a Dios. Non, tu as besoin de Dieu. Porque puedes tener mucho dinero. Et tu peux avoir beaucoup d'argent. Y poco Dios. Et peu de Dieu. Y puedes tener mucho Dios. Et tu peux avoir beaucoup de Dieu. Y poco dinero. Et peu d'argent. Y hacer más cosas. Et tu fais. Y ellos no tenían dinero. Et eux, ils n'avaient pas d'argent. Voluntariamente. Volontairement. Entonces los discípulos decían, pero ¿cómo vamos a ir a predicar a España? Alors les disciples disaient, mais comment allons-nous prêcher en Espagne? Y Francesco se reía todo el tiempo. Et Francesco riait tout le temps. Él tenía el gozo del Señor. Lui, il avait la joie du Seigneur. Todo el tiempo se reía. Il riait toujours. Y le decía, hermano amado. Il disait, mon frère bien-aimé. Pero no te das cuenta. Mais tu ne te rends pas compte. Que el viento es nuestro hermano. Que le vent, c'est notre frère. Hermano viento. Frère vent. Llévanos a España, tenemos que llevar la palabra. Ramène-nous en Espagne, on doit apporter la parole. Y llegaba un remolino. Y llegaba un tornado. Un tourbillon de vent arrivait. Y los llevaba donde tenía que predicar. Et ils les emmenaient là où ils devaient aller prêcher. Conquistaron toda Europa. Ils ont conquis toute l'Europe. Toda Europa. Toute l'Europe. Los animales venían. Les animaux venaient. Y obedecían la voz de Francisco. Et ils obéissaient à la voix de Francisco. Cuando uno de sus discípulos. Quand l'un de ses disciples. Hermano Gil. Le frère Philippe. Fue a predicarle a los obispos en Roma. Est parti prêcher aux prêtres à Rome. El mensaje del evangelio. Le message de l'évangile. Porque no predicaba un evangelio católico. Il ne prêchait pas l'évangile catholique. Predicaba el evangelio al pie de la letra. Il prêchait l'évangile au pied de la lettre. No predicaba a la Virgen. Il ne prêchait pas la Vierge. Predicaba a Jesucristo. Il prêchait Jésus-Christ. Era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios. Il était un prophète de Dieu. Y cuando les hablaba a los obispos de todas las naciones, et lorsqu'il parlait aux apôtres de toutes les nations, el Espíritu Santo le traducía a todos los obispos en cada uno de sus idiomas. L'Esprit Saint traduisait à chaque apôtre des nations dans leur propre langue. En el tiempo de Francesco, dans le temps de Francisco, el sistema económico era el feudalismo. Le système économique c'était le féodalisme. Les seigneurs féodales. Francisco va y reta a los señores feudales. Francisco va y défie les seigneurs. De feudal. De los señores feudales. El sistema feudal. Du système féodal. Y los señores feudales se rinden al mensaje del evangelio. Les seigneurs féodaux se rendent au message de l'évangile. Y transforma la economía del mundo. Il transforme l'économie du monde. Y es el principio del sistema capitalista. Depuis le commencement du système capitalisme. Un avivamiento. Uno de sus discípulos, un de ses disciples, que era Antonio de Padua, qui était Antoine de Padua,
Antoine de Padua. Padua es una ciudad en Italia. Okay. Antoine de Padua. Padua. No importa. C'est une ville en Italie. Llegó Antonio a un pueblo. Il est arrivé à un village. Dans un village. Y la gente no quería saber de Jesús. Et les gens ne voulaient rien savoir de Jésus. Y se enojó Antonio. Et Antoine s'était fâché. Y se volvió al mar. Il est revenu à la mer. Y llamó a los peces. Il a appelé les poissons. Le digo peces. Il a dit poissons. Vengo a hablarles del evangelio de Cristo. Je viens vous parler de l'évangile de Christ. Y dice el biógrafo. Et le biographe dit que salieron cientos de peces con sus cabecitas afuera. Que des centaines de poissons sont sortis la tête de l'eau. Para recibir el evangelio de Jesucristo. Pour recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Y cuando el pueblo lo vio, et quand le peuple a vu cela, todo el pueblo se rindió a Jesucristo. Tout le peuple s'est rendu à Jésus-Christ. Me puedo pasar días. Tu peux passer des journées. Tu peux passer des journées. Hablar de las maravillas. Parler des merveilles. Que un tal nivel de santidad. Qu'un tel niveau de sainteté. Condujo en el poder de Dios. A produit dans le pouvoir de Dieu. En el año, en el siglo XIII. Dans le siècle, le XIIIe siècle. Tras la muerte de Francesco. Mais le tour de Francisco. Après la mort de Francesco. Après la mort de Francisco. El Vaticano. Le Vatican. Hizo una institución. Il a fait de la restitution, institution. Y pervirtió todo lo que había hecho Francisco. Et il a perverti tout ce que Francisco avait fait. Cuando Dios me empieza a hablar de este portal. Quand Dieu commence à me parler de ce portail, me habla de las cosas increíbles que sucedieron. Il me parle des choses incroyables qui se sont produites. No ha habido evangelista. Il n'y a pas d'évangéliste en los últimos 100 años. Dans les derniers 100 ans. Que haya tenido el poder y las manifestaciones que hubieron en el siglo XIII. Qui a pu qui n'avait pas perdu. Il n'y a pas eu un évangéliste ou un homme de Dieu dans ces dernières 100 années, oui, qui a eu la puissance et les manifestations du Saint-Esprit comme ceux qui sont qui se sont passés dans le 3e siècle. Amen. Este portal está abierto. Ce portail est ouvert. Tout, je empiezo a entender. Donc moi je commence à comprendre que la tierra, que la terre, no es polvo, n'est pas la poussière, sino que la tierra puede ser nuestra aliada, que la terre peut être notre allié, que la tierra puede ayudarnos a traer la justicia de Dios, que la terre peut nous aider à être la justice de Dieu. Dice el Salmo 97. Le psaume 97 dit. Los cielos anunciaron la justicia. Les cieux ont annoncé la justice. Y la tierra produjo salvación. Et la terre a produit le salut. Esto significa que cielos y tierra están compaginados. Cela, ça veut dire que les cieux et la terre sont en accord. En accord. Amén. Merci. Y la tierra puede ser nuestra aliada. Et la terre peut être notre allié. Y empezamos a entender cómo los mares pueden ser nuestros aliados. Et nous commençons à comprendre comment los mares, el viento. Comment les vents peuvent être notre allié. Los animales. Les animaux. Un día estaba yo en la playa. J'étais à la plage. 5:30 de la mañana. À 5:30 du matin. Y oraba yo a Dios para que Dios nos entregara los enemigos que no podemos conquistar. Et je parle à Dieu pour que Dieu nous remette les ennemis que nous ne pouvons pas conquérir. Que Dios nos entregue los narcotraficantes. Dieu, offre-moi les narcotrafiquants. Los hombres de maldad que controlan las naciones. Les hommes de méchanceté qui mettent la drogue dans les nations. Non, qui gouvernent les nations. Qui gouvernent les nations. En dessous de l'eau. En dessous de l'eau. Y entonces el mar me oía. Alors la mer m'entendait. Y de repente, ¡pum!, me aventó algo. Et soudain, elle m'a envoyé dans l'eau. Non, elle m'a jeté quelque chose. ¡Pum! Elle m'a jeté quelque chose. Je vois ce truc là, je vois esa cosa así. Y digo, Dios, un muerto. J'ai dit, Dieu, c'est un mort. Mais estaba muy oscuro todavía. C'était très sombre encore. Y no me atreví a acercarme a ver qué era. Je pouvais pas sortir pour regarder. Yo estaba orando que el mar me entregara los narcotraficantes. Moi, j'étais en train de prier que la mer me donne les narcotrafiquants. Total, empezó a amanecer. Ça commencé à éclairer. Je m'approche. Empezó a aclararse el día. Y era un tiburón. C'était un requin. Ah, c'était un requin. Je m'approche du requin. Me acerco al tiburón.
Hermano tiburón, ¿estás vivo? Frère requin, ¿es-tu vivant? Pero estaba muerto. Mais il était mort. Todo agarré. Ojalá con todo mi esfuerzo, porque le pesaba attrapé, mucho. Je l'ai sorti avec toutes mes forces. Cuando oigo la voz de Dios. Quand j'entends la voix de Dieu. Me dijo, el tiburón es un símbolo. Il me dit, le requin, c'est un symbole. De un depredador. De un depredador. De un... De ce qui... ¿En quoi? Un prédateur. Un prédateur. Como son los hombres que establecen terror. Comme sont les hommes qui établissent des... La terreur. La terreur. Me dijo, de la misma manera que el mar te está escupiendo este tiburón. De la misma façon como la mer est en train de te... De te donner, de te jeter ce requin. De esa misma manera verás como el mar empezará a entregar a los narcotraficantes. De cette même manière, tu verras comment la mer commencera à te donner les narcotrafiquants. Y aquí están mis hermanas de Cancún, México. ¿Dónde están? Ici, y ahí están testigos. De Cancún, México. No pasó ni una semana. C'est pas passé une semaine. Cuando vino una ola en la costa maya. Grande vague dans la rivière Maya, dans la rivière Maya, que es donde pasan los narcotraficantes, là où passent les narcotrafiquants. Y la ola aventó dos embarcaciones, et la grande vague a deux bateaux, a renversé deux bateaux de cocaïne, de plein de cocaïne. El mar puede ser nuestro aliado. Aquí está la clave, porque no nomás se trata de seguir haciendo lo mismo. Profetícele. No. C'est pas continuer à faire la même chose. Profetice. Profetizar está bien. Profetizar, c'est bien. Pero es la sustancia lo que nos da el poder. Mais c'est la substance qui nous donne le pouvoir. No es lo que decimos con la boca. Nous c'est autres... pas ce qu'on dit avec la bouche. C'est pas ce qu'on... Es desde donde sale la sustancia divina a través de nuestra boca. C'est d'où ça sort la substance divine à travers de notre bouche. Para hacer que las cosas sean modificadas. Pour faire que les choses soient modifiées. Y el mar entendía el hermanamiento. La mer a compris ce qui est d'être des frères et des sœurs. La iglesia perdió el entendimiento de lo que es ser hermano. L'Église a perdu l'entendement de ce que c'est d'être des frères. Hola hermanito, hola hermanita. Bonjour frère, bonjour sœur. No significa absolutamente nada para nadie. Ça veut dire rien pour personne, ça. Un día eres su hermanito precioso. Un jour tu es son petit frère précieux. Si me pudiera quitar la camisa, verían ustedes. Si je pouvais retirer ma chemise, vous allez voir les poignards. De todos los hermanitos. De tous les petits frères. Perdimos la noción básica. Nous avons perdu la notion basique de lo que transforma una nación. De ce qui transforme une nation. Padre, père, que sean uno. Que soient un. Como tú y yo somos uno. Comme toi et moi nous sommes un. ¿Para qué? Pourquoi? Pour ce que. ¿Para qué el mundo crea que tú me enviaste? Pour ce que le monde croit que toi tu m'as envoyé. El mundo no se va a convertir porque hay grandes predicadores en una plataforma. Le monde ne va pas se convertir parce qu'il y a des grands prédicateurs sur une plateforme. La fuerza y la potencia de la hermandad. La force et la puissance du mandat de la fraternité. Mais ça t'est tellement encore corrompu. D'être frère. D'être un. Ser uno, d'être un, no significa tomarnos del brazo. Ça veut pas dire se prendre par le bras. Nuestro Dios uno es. Notre Dieu est un. Est un. Uno, un, es la esencia de quien Dios es. L'essence de Dieu qui est. C'est l'essence, la substance de qui est le Père. C'est l'essence. Entrar en la unicidad del Padre. Entrer dans l'unité du Père. Dans l'unité du Père. Está bien. Nos hermana unos a otros. Nous fait frères les uns les autres. Porque yo reconozco en ti. Parce que moi je reconnais en toi.
la esencia de mi Padre. L'essence de mon père, y tú reconoces en mí la esencia del Padre. L'essence du père. Y hay una ligadura desde la eternidad. Lien depuis l'éternité. Y uno y otro y otro y otro. Et l'autre, en el entendimiento de lo que esto significa, dans l'entendement de ce que cela veut dire, somos una potencia, nous sommes une puissance, capaz de cambiar el mundo entero, capable de changer le monde entier. En nuestro individualismo denominacional, notre individualisme, dans notre individualisme dans les dénominations, es imposible tener el poder para cambiar nada. D'avoir le pouvoir. La idea denominacional, l'idée denominacional mató el evangelio. A tué l'évangile. La idea de que yo soy de este apóstol y tú eres de ese apóstol mató el evangelio. L'idée que moi je suis de cet apôtre et toi tu es de l'autre. Está escrito. A tué l'évangile. C'est écrit. No sois carnales. Vous n'êtes pas charnel. Cuando uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Quand certains disent je suis de Paul et d'autres disent je suis d'Apollos. Es en contra del evangelio. C'est le contraire de l'évangile. Pero lo hemos hecho tal substancia de nuestro de nuestra religión. Mais on en a fait une substance de notre religion. Que el diablo nos ha dividido por 40,000 en 40,000 denominaciones. Le diable nous a divisé en 40,000 dénominations. Y por más que gritemos y profeticemos, et plus on va crier ou prophétiser, perdimos el poder. Même si nous crions beaucoup et nous prophétisons beaucoup, nous porque perdimos la esencia de la sustancia del evangelio. Parce que nous avons perdu l'essence de la substance de l'évangile. La esencia de la sustancia. L'essence de la substance. Es ser uno. C'est d'être un. Y esto no se puede lograr. Et ça peut pas s'obtenir. Mientras cada uno tenga su propia burbuja. Pendant que chacun aura sa propre bulle. Y cada denominación tenga su mega burbuja. Et chaque dénomination a sa méga bulle. Dice unidos. Et c'est uni por el vínculo del espíritu. Par le véhicule de l'esprit. ¿Cómo es? El vínculo, l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Un corps, un cuerpo. Un padre. Un corps, un père. Un espíritu. Un esprit. Un bautizo. Un baptême. Hasta que crezcamos a la unidad. Jusqu'à que nous grandissions. Y la estatura del varón perfecto. À l'unité et à la stature de l'homme parfait. Cuando entendí el portal, quand j'ai compris le portail, dije Dios, j'ai dit Dieu, ¿quieres que sea como San Francisco? Tu veux que je sois comme San Francisco? Que me convierta en un mendigo. Que je me convertisse en un mendiant. Me dijo no. Il a dit non. No. No. Lo único que les pido, la seule chose que je vous demande, es que se despierten al alba. C'est que vous réveillez l'âme. Antes de que empiece el clarear del sol. Avant de vous commencer à clarifier cela. Y en esa hora entre que empieza dans cette heure où alumbrar, ça commence à s'éclairer l'alba. Ah, l'aube. Ah, ob. L'alba. Ah oui. Un alma no, aube. Aube. En esa hora entre que empieza a surgir el alba y sale el sol. Dans cette heure où l'aube commence à surgir et se abre le soleil, este portal en el cielo. Ce portail s'ouvre. Y las misericordias de Dios vienen sobre nosotros. Et les misericordes de Dieu viennent sur nous. Y hay una diferencia. Il y a une différence. Entre decir las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entre dire les misericordes de Dieu sont bonnes toutes les matins. Y ver las misericordias como están saliendo de su trono. Et de voir les miséricordes comme elles sortent de son trône. Y Dios te dice, agárralas. Et Dieu te dit, attrape. Estas son mis misericordias para hoy. Mes miséricordes pour aujourd'hui. Pero una vez que salió el sol, mais une fois que le soleil est sorti, el portal se cierra. Le portail se ferme. Empezamos a invitar a muchas personas. Commençons à inviter beaucoup de personnes. De muchas naciones. De beaucoup de nations. A ser parte del portal. À faire partie du portail. A levantarse a la hora del alba. À se lever à l'heure de l'aube. Y entrar al portal. Et rentrer dans le portail. Y que pudiéramos unirnos en lugares celestiales. Para ser un solo cuerpo. Pour être un seul corps. Y empezamos a entender. Et nous commençons à comprendre. Que en esa unidad. Que dans cette unité. Cuando hacíamos una pequeña petición. Nous connaissions une petite petition. El poder de nuestra unidad. Le pouvoir de notre unité. Se gravitaba sobre esa oración. Se gravité, la puissance. Cette gravité de sur notre unité. Prière, dans le lieu céleste. Se gravité.
sur la terre et la réponse était immédiate. Amen. Immédiate. Amen. Se gravitaba sobre la tierra y la respuesta era inmediata. Amen. Y empezamos a ver que teníamos un poder. Nous avons commencé à voir que nous avons un pouvoir. Como no lo ha tenido jamás la iglesia en ninguna generación. Comme il va venir dans aucune génération dans l'église. A partir de Francisco. De Francisco. Entonces, cuando les digo quiénes son los portalitas. Alors, quand je vous dis qui nous sommes. Quand je demande qui sont les portalites. Y vieron levantarse algunos. Et que je vois se lever certains. Ellos son hombres y mujeres de diferentes naciones. Eux, ils sont des hommes et des femmes de différentes nations. Que se levantan al alba. Qui se lèvent à l'aube. Y que hemos empezado a ser uno solo. Et qu'ils ont commencé à faire avec nous. En nuestro portal, en el portal. Dans le portal. No podemos influenciar a nadie con doctrinas. Avec, dans le portail, on peut influencer personne avec des doctrines. No nos pele- las doctrinas dividen. Les doctrines divisent. El amor. L'amour. Nos da la fuerza. Nous donne la force. La sustancia. La substance. La luz. La lumière. Y la vida et de la Dios. La vie de Dieu. En las madrugadas lo que hacemos. Le matin, ce que nous faisons. Simplemente estamos en la presencia del Padre. Simplement nous sommes dans la présence du Père. Uniéndonos con él, nous unissant avec lui, y uniéndonos con unos y otros. Et nous unissant les uns avec les autres. Se han abierto portales en muchas naciones. Les portails se sont ouverts dans beaucoup de nations. Hoy tenemos aujourd'hui nous avons gente en el portal en 45 naciones. Des gens dans le portail dans 5 nations. Y estamos viendo transformaciones impresionantes. Et nous sommes en train de voir des transformations impressionnantes. De lo que Dios empieza a hacer en esa hora de la madrugada. De ce que Dieu commence à faire dans cette heure de la matinée. Voy a sembrarte algo. De l'aube. Je vais te semer quelque chose maintenant. Todo cambio en tu vida. Tout changement dans ta vie. Jamás vino. Jamais il est venu. Por algo externo. Par quelque chose d'extérieur. Todo cambio que hiciste en tu vida. Tout changement que tu as fait dans ta vie. Empezó aquí. Il a commencé ici. Entonces, esperar. Donc attendre. Cosas externas. Des choses extérieures. Y seguir profetizando cosas externas. Et continuer de prophétiser des choses externes. No va a cambiar nada. Ne va rien changer. Cuando empecemos a cambiar uno y otro y otro y otro. Quand on commence à changer l'un et l'autre et l'autre et l'autre. Y cuando veo a mis hermanos, quand je vois mes frères, portalitas, les portalites, hay algo tan extraordinario que nos une. Y a quelque chose de si extraordinaire qui nous unit. Tal vez no pensamos igual. Peut-être on pense pas pareil. Pero la unión en el espíritu. Mais l'union dans l'esprit. Es tan fuerte. Elle est si forte. Es tan poderosa. Elle est si puissante. Es un amor que fluye entre nosotros. C'est un amour qui coule en nous. Con gente que a veces nunca las hemos visto. Avec des gens que des fois nous n'avons jamais vus. Pero cuando los vemos en sus ojos por primera vez. Mais lorsqu'on les voit dans les yeux pour la première fois. Jesus. Algo nos conecta. Quelque chose nous connecte. Quelque chose nous connecte. Nous joint. Quelque chose nous rejoint, nous unit. Algo que fue tejido en la eternidad. Quelque chose qui a été tissé dans l'éternité. Este es el umbral. Este es el umbral. Ça c'est le umbral, la puerta. Ça c'est la porte de Cornelio. De Corneille. Adentrarnos en una dimensión. Nous entrons dans une dimension desconocida, inconnue, que la iglesia no ha conocido lo que es unidad. Que l'église n'a pas connu ce qu'est l'unité. Se hacen sociedades de pastores. Il se fait des sociétés de pasteurs, des associations de pasteurs. Y al rato son las sociedades de pastores las que impiden que Dios haga cualquier cosa en una nación. Juste après, c'est les associations de pasteurs qui empêchent que nous puissions aller dans une autre nation. La mayoría de las veces. La plupart des fois. Entonces, alors, Dios te llama. Dieu t'appelle al portal. Ahora le voy a pedir a Anita, ¿dónde está mi portalita amada? Yo demandé a Anita. Quiero que pases el video de los elefantes. Y quiero que vea cómo la tierra nos está respondiendo. Cuando llegamos al África, je veux que tu passes un vidéo. Fuimos a un safari. Quand ils ont été en Afrique, ils ont été à un safari. Con el propósito de llevarle a la creación en África
el evangelio de Cristo. Avec le but d'amener l'évangile du Christ, de Christ à la création, aux animaux sauvages. Aux animaux sauvages. Quand on va à un safari en Afrique, surtout pour voir éléphants. Quand on va dans un safari en Afrique pour voir les éléphants, la mayoría de las veces los ves a través de unos binoculares. La plupart des fois, tu vois ces animaux au travers des jumelles. Porque los elefantes se centran en los pantanos. Que les éléphants sont centralisés au loin. Dans les comment se dit pantano, les Ah, dans les étangs. Pantano, étang. OK. Y entonces no se acercan a donde están los coches, Alors, ils s'approchent pas de là où sont les voitures. Entonces llegamos allá con un guía cristiano. Donc nous sommes arrivés avec un guide chrétien. Y está prohibido tocar música o cualquier cosa. Il est interdit de jouer de la musique ou des choses de ce genre. Pero nosotros íbamos en un gobierno mayor. Mais nous autres nous allions avec un gouvernement supérieur. La adoración profética de Emerson. Et nous avons mis l'adoration prophétique d'Emerson. Y entonces el guía dijo, miren allá lejos, como a 5 millas, très loin, à 5 milles. Hay una manada de elefantes. Il y a un troupeau d'éléphants. A ver. Alors, fais voir. Entonces dije, no, esto no sirve para nada. Disons, ça sert à rien. Entonces dije, elefantes. Je dis, éléphants. Somos los hijos de Dios. Nous sommes deux fils de Dieu. Y ustedes nos han estado esperando. Et vous étiez en train de nous attendre. Así que como no podemos ir a ustedes. Alors, comme on va pas aller à vous. Ustedes vienen a nosotros. Vous venez à nous. En ese instante. À cet instant. La manada entera. Le troupeau entier. Eran como 30 elefantes. C'était comme 30 éléphants. A galope tendido. À tout galop, ils se sont venus. Vinieron a recibir el evangelio. Sont venus recevoir l'évangile. Le hablamos a los rinocerontes. Et nous avons parlé aux rinocerontes. Rhinocéros. No podemos ir a ustedes. Nous pouvons pas aller à vous. Están allá lejos en la maleza. Entouré de buissons. Por favor, vengan. S'il vous plaît, venez. Y les decía, dame señal. A todos les dijimos, danos señal. A tous nous avons dit, donnez-nous danos le señal signe. Que estás oyendo y que estás recibiendo lo que venimos a hacer. Donne-nous le signe que tu es en train de recevoir que ce que nous sommes venus faire. Y cuando le pedíamos faire. Señal, donne-nous le signe. Nos movían las orejas. Y bougeaient les oreilles. Llamamos a los búfalos. Nous avons appelé les buffles. Y llegaban los búfalos. Et les buffles arrivaient. Y Elías dijo, yo nunca he visto una cosa así. Et moi je disais, je n'ai jamais vu une chose ainsi. Llevo más de 20 años trabajando en este safari. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans ce safari. Nunca he visto una cosa igual. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Más de 5 manadas de elefantes. Plus de 5 troupeaux d'éléphants. Vinieron a recibir la palabra. Sont venus pour recevoir la parole. Y las hembras se quedaban en un lado. Et la celda c'est les femelles. Les femelles. Quedaban en un lado. Restaient sur un côté. Y el patriarca. Et le patriarche. El elefante alfa. L'éléphant alfa. Escuchaba. Écoutait. Todo el mensaje. Tout le message. Para impartirlo a la manada. Pour le donner après au troupeau. Y nos movía las orejas. Et eux, ils bougeaient les oreilles. Cuando un elefante levanta la trompa y hace ¡buah! Quand l'éléphant lève la trompe et fait waouh. Es que están muy felices. C'est qu'il est très très heureux. Y quiero que vea. Je veux que tu regardes la création manifestándose ante los hijos de Dios. La création se manifestant devant les fils de Dieu. Y luego me va a oír usted adorar en swahili. Porque me dijo esta tierra habla swahili. No habla inglés. Je comprends plus rien. Vous allez m'entendre chanter en swahili. Parce que la terre en Afrique, en Kenya, ne parle pas l'anglais, elle parle le swahili. Amen. La terre répond à la langue originelle. La terre répond à la langue originale, non à la langue de los conquistadores. Amen. Que tenga oído, que oiga. Amen. Porque algo tiene que ser hecho en quechua. Amen. Jesus. Escúchenme. Amen. Ok, dale. I call forth creation to worship. I call the mountains to worship. I
call the ocean to worship. I call the rivers to worship. But the sound of the waters will carry the sound of heaven throughout Kenya. I call forth all creation and everything that breathes and moves to burst forth in worship. And I even call the stones to worship. For a sound is coming forth from Kenya that will shake the heavens. Estoy profetizando a la creación. Yo soy un hombre profetizando a la creación, la va. Que Dios venga como rayo a establecer su voz. Father, in the name of Jesus Christ. Padre, en el nombre de Jesús. I stand in this land. Me paro en esta tierra. To talk to the land and to ask forgiveness. Para pedirle perdón a la tierra. Forgiveness for all the unrighteousness that has been por todas las injusticias que se han hecho con los animales. Against the animals, against human beings, against all the evil that has been made here in Africa. Nous sommes en train de demander pardon par les atrocités qui se font avec les animaux. To claim the glorious liberty of the manifestation of Christ in us. And as you have been imparted of all this iniquity, we now remove this iniquity. Estoy pidiendo perdón por la iniquidad. The blessing of the Almighty God. Que como hijos de Dios nos hemos olvidado de la creación. Es un tran de demon de perdón por la iniquité de nos d'avoir négligé la creación. Speak to every plant. And talk to them that the redemption of this land has arrived. Hear, O land, the sound of heaven. Ahí están oyendo las jirafas el sonido de adoración y están viniendo a nosotros. Là, les girafes sont en train de venir à nous. Las cebras están oyendo la adoración y nos están escuchando. Blood of Jesus redeeming creation. We call the Garden of Eden back to earth. We call the Garden of Eden back to earth, and that the sounds of Africa connected to the Garden of Eden will be heard throughout the entire world in the name of Jesus. The kingdom. Jesus paid for your redemption. Qué lindas oyendo el evangelio. They're hearing. Hear the sound of your redemption. Oigan el sonido de su creador. Hear the sound. Hear the sound. Hearing us. Be redeemed by the blood of Jesus. Ella nos acompañó todo el camino. Están los búfalos oyendo la palabra. Estamos enfrente de ellos. On est en face de. On n'a pas un grand caméra. C'est avec les cellulaires, les mobiles. Estamos filmando con los celulares. No tenemos telefoto. We come here to line you up with heaven, because from this moment on, your lives are never going to be the same. You and your species are going to worship the Lord. You are going to recognize the Lord. And we line you up with your purposes, for you are going to serve the Lord and worship Him. Receive the redemption. Receive the blood of Jesus on top of you. Los leones dejaron de comer para oír la palabra. Hey, beloved lions, you have such a purpose in God, and we are here to redeem you. Estamos enfrente de ellos.
Lord, upon your lives, because you are going to serve. Eso no es telefoto. Estamos al lado de ellos. Ahí está oyendo. Restore this land, and we call upon you the purpose that was given to you in the Garden of Eden, and we call restoration and the lining up between heaven and earth in your whole species, and we bless you and we call you redeemed from the Lord. In the name of Jesus Christ, receive this redemption. Elephant. Ahí vienen los elefantes. Your species, for all the crimes that has been committed against you. Please forgive the humankind. Please forgive all the people that have done harm to your species. And we are calling for redemption. You will. It's the alpha. For every elephant that has been killed, there's going to be a supernatural multiplication of your species, and you are going to love humans, and humans are going to love you, and we come to redeem you in the name of Jesus Christ. To redeem you, receive your redemption, receive your redemption, receive your redemption. The Lord made you so majestic, so majestic. We bless you. Multiply, multiply, fill these plains with tons of elephants, and for every elephant that has been killed, multiply by the hundreds. In the name of Jesus, we redeem you. Estamos cantando en Swahili. I call creation to worship. I call creation to worship. Niarita viumbe ilikuabudu. Niarita viumbe ilikuabudu. Niarita viumbe. Chia, Kenya, Kuamka, Chia.
Está feliz, feliz de ser redimidos. Salimos, el cielo se manifestó con una jirafa en las nubes. My name is Sam. Hallelujah. Hallelujah. And I had an opportunity to mucho más travel with this que cuatro paredes guest to Amboseli, llenas de religión. And today we had an extraordinary experience. ¿Está diciendo el guía? To have encountered huge herds of elephants. Lo que está sucediendo ahí nunca lo había visto. Él est en train de dire que ce qui s'est produit là, il n'avait jamais vu ça. In such large numbers. Something which is extraordinary that I haven't seen in a long time. Es extraordinario, como no lo había visto. C'est extraordinaire, il l'avait jamais vu ça. I probably just see find them in the swampy area, you know, grazing. Normalmente ve los elefantes en los pantanos. Normalement, il voit les éléphants là-bas dans les lacs. So, dans les grandes today étendues. Was quite extraordinary. Hoy fue realmente extraordinario, dice el guía. Et aujourd'hui, ça a été vraiment extraordinaire ce jour-là. Rojo tacatifu, japa. Rojo tacatifu, hijo, japa. Estoy aprendiendo un poquito de aquí. Ok, entonces. Dele la gloria al que vive, que la creación está esperando la libertad gloriosa es cuando rompemos las ligaduras de la religión, cuando rompemos las ligaduras del sistema, la creación es donde de atendre la liberté glorieuse des fils de Dieu. Eso se pasa cuando brise les liens de la religión. Du système du monde, cuando rompemos las ligaduras del sistema del mundo, del sistema religioso, cuando nos atrevemos a pensar más allá de cuatro paredes, en las dimensiones gloriosas que Dios nos dio a través de todo lo creado.
para establecer su justicia. Amén. Amén. Ven la gloria a Dios. La gloria a Dios. Erguíos puertas eternas para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer en el Perú. Vuélvanse puertas de lo extraordinario. Vuélvanse puertas. Dejen de ser espectadores de un show. Devenez des portes extraordinaires. Cessez d'être spectateurs d'un show. Dejen de seguir esperando a ver quién le pone la manita encima. Cessez d'attendre qui va vous imposer la main. Levántate como Débora. Lève-toi comme un cheval. Yo me levanté como madre en Israel. Je me suis levé comme la mère d'Israël. Levántate. Lève-toi. Como la puerta del cielo en tu nación. Comme la porte du ciel dans ta nation. Amén. You're so beautiful. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Montado, Jesús.